Coucou tout le monde, c'est la Team Yel. Salut et bienvenue dans Majora's Mask, nous sommes le dernier jour. Et maintenant, dans cette zone, on a la charmante musique de Termina. On tente, hein. Oui, ça va, j'aime bien. Donc, on doit aller dans la maison que t'es pas du tout dans ce sens-là, parce que j'ai un sens de l'orientation tellement génial que je suis pas allé du bon côté, pour rendre les faits. Cette chère madame, qu'est-ce qu'elle va te donner comme pouvoir? Un nouvel objet. Un nouvel objet? Ouais, un nouvel objet. Et qu'est-ce qu'elle va te donner comme objet? Je sais pas, moi. Quoi, elle te donne un masque? Je sais pas. Il me manque un objet et un masque, donc... vu que je vois pas quel genre de pouvoir elle pourrait me donner en plus, à part une tornade de la mort. Des cheveux jaunes. Super Saiyan. Bonjour, petit être plein de compensation. Je suis la grande fée des Super Saiyan. Merci d'avoir rendu sa forme à mon corps brisé. Pour te remercier, je t'offre Vegeta. L'épée des fées. J'ai déjà une épée. Ding. Oh mon dieu. Mais c'est une épée avec des fleurs. Vous obtenez l'épée de Vegeta. Assignez-la à C pour l'équiper. Alors il y a encore une épée. Sont gravés sur sa lame, son tranchant et inaltérable. Cette épée est l'arme ultime. Il y a vraiment une nouvelle épée. Reviens me voir à chaque fois que tu en auras besoin, Vegeta. Wow. Il y a vraiment encore une épée. Mais c'est la même que... Attends, quand je sors mon épée, c'est la même. C'est quoi alors la grande... Ah d'accord, c'est un objet. Oui. Mais je l'avais déjà vu, je crois, sans faire exprès. Mais sur un... Oh, c'est une Medigoron. Ah mince, mais du coup, ça s'utilise comme ça. Super bizarre d'avoir fait ça. Oui. Bon, bah, c'était bien un objet. Bravo. Ah, c'est trop drôle, je suis contente. Bravo. J'ai une épée Bigoron, finalement. Bon, elle est... Avec des roses dessus, parce que c'est drôle, mais bon. Bon, bah, alors aujourd'hui, on a un autre programme. C'est déjà, je vous donne la manette à Milu, parce qu'il aime ça. Merci. Il veut pouvoir jouer. Tu t'es fait toucher par un corbeau. J'ai pas crié, moi. Ouais. T'es prêt à remonter dans le temps? Mais on n'a pas mis les rubis. On en avait que 28. Ah, ok. Bon, bah, oui. Ça tombe bien aussi, on vient de faire le donjon et tout, on sauvegarde, c'est bon. Phew. Ça fait plaisir. T'as obtenu ta Great Sword. Oui. Non, pas une Great Sword, une Long Sword. Une grande épée. Non, mais c'est bien, elle est cool cette épée, je l'aime beaucoup. C'est l'épée de Vegeta en même temps, genre voilà. Mais par contre, je sais pas trop, ça sert à quoi de donner cette épée à la fin du jeu, sachant que t'as plus de boss là-bas. Bah là, c'est un peu bête. Alors, j'ai dit ce qu'on allait faire. Tu as je vais donner la manette à Milu et après on verra. Non, changement de programme, je vais donner la manette à Milu. Non, c'est pas un changement de programme. Hein. Mais on va affronter les sculptulas. Bah, ah oui, non, j'allais dire. T'es pas téléporté? Pourquoi Link il court encore? Parce qu'il est trop fort, Link. Bah, pauvre Link. Allez, des bêtises. On va faire celle-là. C'est parti. Ah oui, celle-là par contre elle est importante à faire en fait. Je vais faire la troisième, non, il y en a que deux en fait. La deuxième maison des sculptulas avant, parce qu'il faut la faire le premier jour. Comme ça le premier jour, eh ben, on gagne une grande bourse, alors que les jours suivants on gagne autre chose. Des rubis sûrement, un truc comme ça. C'est si long que ça une maison des sculptulas? Bon, c'est pas long, mais... Bon, ça dépend en fait, parce qu'il faut les trouver les sculptulas. Moi je sais plus où elles se trouvent non plus alors. Il y a une énigme en plus dans celle-là. Mais c'est pas une maison des sculptulas où ça fait une espèce de maison justement? Celle-là? Oui. Ben si, c'est une maison. C'est une maison des sculptulas. Non, mais l'autre ça ressemble à un petit temple. Oui. Alors que elle, ça ressemble à une maison avec des salles. Poum. Bah ça commence bien. Déjà des sculptulas? Oui. Il y en a 30, je crois. Je ne me souviens plus du tout. Mais il faut les récupérer quand même. Bon, Link. L'avantage, c'est qu'on n'a pas freeze comme dans le premier jeu. Quand on obtient un machin. Mais non, mais elle est partie. Je suis descendu exprès pour toi, hein. Toutoum. Puis elles sont cachées un peu n'importe où, dans des pots ou des trucs comme ça, donc c'est assez pénible. Il faut tout regarder partout. Bon, il y en a genre une qui là. Est là. C'est normal, elle est au-dessus de la toile. Je pensais que mon truc arriverait à passer à travers la toile.
marche pas. Faut pas brûler une toile. Oh, voilà, c'est bon. Oui, je vise comme Matt. C'est ce que je me disais. Oui. Ah, j'ai cru que t'avais pas à l'avoir. Je peux même pas la viser. Bon alors, ta gueule, tu fais pas ton travail. Désolé, je suis fatigué, je me repose. Du coup, elle est sortie. Oh, on m'a appelé, pardon. Je m'étais pas rendu compte. T'as appelé... vu, c'est le masque des géants. Vous avez appelé Taya. Youpi. Alors, qu'est-ce que nous avons de beau dans cette salle? Plus rien. Bon, au moins, on sait que dans cette salle, il n'y a plus rien. Et c'est parti. On est rentré dans la maison. Il y a des masques de géants partout sur les murs. Je crois qu'on peut faire tomber les masques et il y en a derrière, non? Non, je crois pas. Non, par contre, là, on les entend, ils sont déchaînés. Les... Mais il y en a qui sont cachés derrière ces trucs. Derrière les poutres. Pfiouh. Vous obtenez une quatrième sculpture de la d'or, mais je suppose qu'ils disent que c'est la dernière, alors, dans ce cas-là. Oh, oh d'accord. Ouvre-toi, sésame. J'ai jeté du feu sur une toile d'araignée, mais elle a pas brûlé. Il doit y en avoir. Il y en a une maintenant. J'espère que tu vas brûler, oui, c'est bon. Pouf. Et hop. Vous obtenez votre cinquième sculpture. Regarde là. Je veux dire, regarde là, on la voit. On voit les pattes. En fait, non, il n'y en avait pas. Est-ce qu'il y en a une dedans? Bon, même pas. Ah, j'ai cru voir des pattes derrière. Derrière ce coffre, mais non, ça se trouve, il n'y en a pas pour de vrai. Il n'y a rien non plus dedans. Juste de la magie. Moi, je veux pas de la magie, je veux des flèches. Ah oui, là. Ah oui, il y a les trucs de toile de bibliothèque aussi à pousser. Bon. Plus que de. Ah mince, du coup, on a plus de magie infinie. Enfin, c'est normal. De toute façon, c'est pas grave. Comment ça s'appelle? Moi, les maisons des sculptures, là, je les ai déjà faites dans ma partie personnelle. Vrai? Oui. Bah, c'est pas du blind là. Mais un peu quand même, parce qu'on se souvient jamais d'où elles sont. Mmh. Regarde des flèches. Cette épée est vraiment cheatée. Je me demande c'est laquelle la plus puissante entre l'épée de la fée et l'épée d'or. C'est l'épée de la fée quand même. Quand même, ça va. Ne donne pas un objet plus nul. Oui, genre cette épée elle est x3 alors que l'épée elle est x4. D'accord. Salut. Et l'épée, comment ça s'appelle que t'aimes bien, elle est x2 ou elle est x3 aussi? x2. D'accord. Il y a une main, non, je rigole. Quoi? Lui, Link, il passe sans problème. Il est petit. Ça fait des trucs bizarres, hein. Poum. Qu'est-ce qui fait des trucs bizarres? Les oreilles? Non, Link, je sais plus. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. D'accord, t'as tué une sculpture là sans la voir. C'est magique. Jamais qu'elle était là. Il me semble que tu connais mieux l'autre maison. Oui, je l'ai fait plus souvent l'autre. Je l'ai jamais aimé celle-là en fait, pour ça. Quoi? Je sais pas. Elle est moins jolie. Ouais, elle est moins jolie et puis elle est plus pénible. Tant pourtant l'ambiance est cool, je veux dire, c'est une maison et tout. Avec des araignées, c'est tout ce qu'il y a de plus banal en fait. Manoir du Yeti de Majora Mask. Il y en a encore une, oui. Je vais casser ce pot. Quelle magnifique peau. Ouais, bon, une caisse. Y'en a encore? Non. Il y a plus de... Oui, parce que si vous faites, si vous faites cette maison, prenez quand même, mettez quand même du son dans votre télé, hein, parce que sinon, c'est un petit peu difficile. Ça me fait penser que je regardais les parties de Majora's Mask qu'on avait tournées. Les moments où je criais, ça me refaisait crier derrière mon écran, d'ailleurs. Mais je me suis rendu compte que... qu'il y avait des sons et tout dans le jeu que j'entendais pas parce qu'on mettait pas le son de la télé assez fort. Et du coup je me dis, en fait, heureusement, j'aurais eu encore plus peur. Ah, c'est ça que je voulais dire, par il y en a une derrière le masque. Et comment tu la récupères maintenant? Ça. Oui, il y en a encore. Il y en a encore deux, bon, je rigole.
pas d'autres là-dedans. Mais je sais pas, il y a un moment, t'avais des toiles d'araignée près des pots et il y avait rien dedans. Non. À moins que. Tu vas sur les poutres. Sûrement. Comme s'il y en a déjà eu. Ah, peut-être que. Non. Madame araignée, où êtes-vous? Bon, après, on peut se référer au son, s'il devient plus fort, c'est qu'on s'approche, mais. Parfois, c'est un peu pénible, genre si elle est au milieu, et ben. Genre là, par exemple, on n'a pas une. Il ne tomberait pas qu'il y en ait une là, quand même. Au plafond. Bon. Là, le son, il a l'air moins fort. En fait, non, on dirait qu'il y en a même deux. Bon. C'est toi? Non, il y en a encore une. Ouais, donc c'est bien 30. Non, il n'y en a pas une quatrième quand même. Une troisième. Une quatrième. Il y a de la suie. Moi, ces petits monstres, ils me font penser à des petits monstres dans mon voisin Totoro. Oui. Je sais pas si je l'avais déjà dit. Il me semble, oui, que tu l'as déjà dit. Enfin bon, vaut mieux deux fois que trois. Que une. Ok. Vaut mieux deux fois que trois. Oui, c'est très intelligent ça. Bon. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Ah oui, des fois il y en a sur les bords comme ça qui marchent. Où êtes-vous? C'est sûr que sur les poutres on a pas mal vu. T'arrêtes pas de bouger! Bah non, ça se verrait. Je pense quand même. Oui. Parce que sinon ils vont pas non plus les faire. Mais je sais pas, j'ai l'impression de voir sur la poutre du milieu des trucs, mais c'est pas possible parce que sinon ça se verrait. Je regarde derrière les masques quand même parce que c'est drôle. Ah. Purée. Encore une. Mais je crois oui. Bon là normalement c'est bon. Oui, ça fait plus grand. Tu l'as eu celle-là. Oh, des flèches. Pioup. Oh, sur le plafond, l'autre côté. Là. Oh, elle était bien cachée celle-là, hein. Ou elle était bien cachée celle-là. C'est celle-là que je disais qu'il y en a qui sont entre les. Attends, allez là. Je vais réussir à la voir. Ah, si, sinon... Elle est bien cachée, elle. Elle est tenace la petite. C'est vraiment possible hors les escaliers, qui sont plats d'ailleurs. Quoi, tu veux pas des escaliers plats toi plus tard? Ah bah moi à l'école j'ai pas le droit de faire des escaliers plats en 3D, faut que je fasse des vrais escaliers hein. Ils sont pas connus la bonne époque de la 64 bits, c'est ça? Oh, j'aurais tellement aimé faire des jeux comme ça. Simple. Pourtant, j'y suis déjà rentré, il me semble. Ouais. Quoi? Ok, vous êtes là. Ok, c'est vous qui êtes là. D'accord, je peux monter sur votre chaise parce que c'est normal. Allez, pousse-toi, c'est ma chaise. Hein? Oui, capitaine, ça faisait longtemps. Section d'investigation rapport. Tel que vous l'avez ordonné, nous avons recherché les secrets des endroits. J'ai découvert que le bleu doit être abattu en second. Mission accomplie, mon capitaine? Oui. Ah, merci, mon capitaine. J'espère que mes informations seront utiles. Je vais maintenant remplir mon dernier devoir selon vos ordres. À vos ordres. Je vais vous donner de l'argent, un rubis. Bon, je vais me suicider. Donc, voilà, en fait, ils nous disent des trucs, genre le bleu et le second. Donc, il faut mémoriser tout ce qu'ils disent, en fait. Donc, genre. Le vert et le dernier. Hein? Capitaine, ça fait longtemps. Section rapport. J'ai découvert que le vert doit être abattu en cinquième. Oui. Hop. Ça change jamais, ça? Non, ça change jamais. C'est toujours le même ordre. Hein? Hey, capitaine, ça faisait longtemps. Le secret de cet endroit. Mince, non, j'ai pas vu. Je crois qu'il a parlé du rouge, c'est mais bon. J'ai pas vu lequel. Je vous prie de m'excuser, mon capitaine, je vais poursuivre mon enquête. À vos ordres. Ah, ça faisait longtemps. Blablabla. Je vous l'avais ordonné. J'ai découvert que le rouge doit être abattu en troisième. Je m'en doutais. Parce que le rouge, c'est la L. Je suis né le 3 avril, le rouge c'est troisième, c'est ça? Ouais, ça doit être ça. Hein? Ouais, mais capitaine, ça faisait longtemps. Tel que vous l'avez ordonné, nous avons cherché.
Jaune doit être abattu en quatrième. Oui, capitaine. Donc ça fait bleu, rouge, jaune et vert. Mais non, le bleu, il est en deuxième. Oui, mais il manque l'autre. Et l'autre, je sais plus où il est. Oui, attends, il y a des Skull Kids à la télé. À la télé. Sur les pancartes. En fait, c'est la maison de Skull Kid ici. Oh. Mais il est très narcissique, alors du coup, il met... Moi, je casse tous les thèmes de Skull Kid parce que je les aime pas. Youpi. Désolé, Skull Kid, t'es pas mon ami. Surtout dans Twilight Princess. Il y a une sculpture là. Oui, on a plein. Waouh. La caméra est devenue bizarre. Le premier, c'est quoi? Rose? Yep. Tout est dans cette salle de toute manière. En théorie, je crois. Il me semble. Du coup. Il n'y a plus d'araignées. Mais il y en a reste. Venez, venez, mes petites, vous êtes où? Ah oui, c'est vrai, t'es dans le lustre. Il y en a plein! Mais il faut faire la mission. Bon, attends, je vais essayer dans le sens des aiguilles d'une montre. Attends, je rigole. Je vais essayer de les exploser. Non. Mais... Le vert, il est cinquième. Non, c'est qui? Non, c'est le rouge après. Et encore le vert. Ouais. What? Mais je l'ai réussi là. What? Bleu. Rouge. Mince. Désolé, je vais changer de bouton pour. Pour l'arc. Du coup, j'ai donné un gros coup dans le micro. Bleu. Rouge. Jaune. Vert. Pourquoi ça fait? Attends, il faut que je vois pas que je refasse le bleu. Bon. T'as le choix entre jaune et rouge. Je crois que... Rouge. C'est bien rouge. Eh ben non, c'est pas rouge. Il me semble qu'il y a d'autres... Appuie sur le jaune. Mais non, pff, pardon. Ah, appuie sur le jaune. Te dis-je. Bon, bah voilà. Fallait le faire deux fois. Pour une raison inconnue. Tac, 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 tac. On fait pas en deux parties? Si, j'obtiens juste le cadeau. Ok, qu'est-ce que c'est de beau? Qu'est-ce que c'est beau? Qu'est-ce que c'est de beau? C'est un quart de cœur, vous en avez maintenant deux, et bientôt, et ben c'est la fin de la partie. Merci à tous d'avoir regardé le début de cette partie où nous avons gagné 18... Sculptula sur 30. Bon, on va se cacher dans un pot. Merci à tous d'avoir regardé. Regardez cette salle, elle est trop belle. Waouh! À bientôt tout le monde! C'est le salaud crisseur de...